Salut YouTube et YouTube, bienvenue à tous. On est parti pour une nouvelle analyse de Fair 4, j'espère que vous avez la forme. Comme d'hab, dédicace à tous les frères et les sœurs qui sont venus me voir en live pour cette analyse de Fair 4. Gros désir vous les affichera. Venez vous aussi sur les lives les gars, on se régale. En ce moment je lance entre 22h30 et 1h du matin. Bon, c'est assez large, mais au moins tu sais que c'est le soir à partir de 22h30. Pour venir voir mes aventures en live, il y a un peu de tout sur les lives, vous le savez déjà, des analyses de Fair 4. Il y a le rush actuellement de Platine to Master en full troll pick. Il y a aussi les games avec les viewers, on teste des nouveaux troll pick, bref, plein de contenu, n'hésitez pas à passer. Nouvelle analyse de Fair 4 les gars, on a tiré au sort Emerdinger de la game, voilà, donc il s'appelle Rox, qui est un OTP Emerdinger, Arstuck, Fer 4, Fer 3, Fer 2. Voilà, il a jamais dépassé le Fer 2. Nous allons analyser ce profil, tout simplement. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. On va pas focus que sur lui, on va regarder toute la game. La game est incroyable, il y a plus de 110 kills, donc je pense qu'on va être 120 kills, pardon. Donc je pense qu'on va être servi clairement. Elle dure assez longtemps, donc le montage vous rendra ça assez agréable, mais on va se régaler en tout cas. Et l'avantage de venir en live, c'est que vous voyez tout le contenu. Voilà, c'est aussi l'avantage, vous n'avez pas que les cuts, même si les montages de Gros Désir sont incroyables. Il faut dire les termes, mais parfois avoir toute la vidéo, c'est plus sympa. Comme d'hab, le jeu du MVP. Est-ce que c'est Tazano? Est-ce que c'est Lack and Play? Est-ce que c'est Marie Lela? Ou bien Crasslium? Crasslium, trop chiant à dire. Je veux dire Crass. Ou bien Yuxuki? Ou bien Sapiro XD? Ou bien Mister Frankowski, Arthur Rayquaza. Arthur Rayquaza, ouais, ok. Amredrin. Mais c'est quoi ces pseudos de merde? J'arrive pas à parler, frère. OGLOG88. Mais ils sont horribles leurs pseudos. Imagine, tu dois dire ça tout vite. Krasilium, Yuxuki, Sapiro XD, Mister Frankowski, Arthur Rayquaza, Amredrin, OGLOG88. Oh, c'est dur, frère. Oh, c'est dur, j'en peux plus. Qui va sortir de la base là? Ok, vous connaissez, hein. 40 secondes. Moi je dis Emerdinger. Emerdinger, je me suis pas spoil la game, les gars. C'est quoi en même temps que vous? Ah non, c'est Tristana. 40 secondes à peu près. 39. Oh, 40, c'est bon. 40 secondes, on est dans les timings, on est dans la moyenne. C'est incroyable, je connais ce Hello, c'est... Je connais plus ce Hello que mes propres couilles. C'est une dinguerie quand même, hein. Du coup, Tristana, elle commence avec le smite. Ah oui, d'accord, ok. Ok, Emerdinger directement. Sapiro XD. Flash out. Ok, ok, les tourelles qui font un bon carnage, hein. La bouboule de Jace. Attends, mais Tristana, elle a pas vraiment item jungle et tout. Pourquoi il fait ça? Il va quand même pas voler le blue. J'ai peur. Back. Qu'est-ce qu'il fait, Tristana? Il a vendu! Il a pas compris, je crois. Je crois qu'il a fail et du coup il s'est niqué. On est bien en faire 4. Suspect. Non, je pense que c'est un fail. Hein. Il a pris le smite sans faire exprès et il s'est dit, je vais prendre l'item jungle. Il a vu que ça servait à rien. Il l'a revendu, tu vois. No joke. Hein. Je pense que c'est un débutant. Hein. Le gank. C'est parti. Ok, Lolin. Tazano. La grenade ne touchera pas, Tazano. C'est beau, ça clique, hein. Frankowski sur le gang, directement. Est-ce que ça va utiliser les summoners? On a les double flash, on a les flash. C'est un peu late. Ok, flash de Tristana pour rien. Oh, le Z de Brand qui loupé. Aïe. Oh là. Oh, les flash. Ok, les flash, ok. Les gars, vous inquiétez pas, il y a 120 kills dans la game. C'est juste que ça met un peu de temps à arriver. Aïe, ça rentre dans la cage. Oh, le retour. Ah. Oh, le bump il était bizarre là. Attention, le jump in avec une option par dessus, c'est beau. La double bombe, c'est très très beau ce qui se passe là. Très très beau. Oula. Ah, dommage. Oh, il se fait creep block. Oh, c'est terrible. Ok, Vegar. Vegar avec clic, les gars. Vegar, je vous le dis, ça clique. Marie, il est là avec ses 25 CS. C'est tranquille au top, hein. Ok, le go-in. Oh. L'ulti. Ah, qu'est-ce qu'il va faire comme ulti? Ah, il sait pas. Ah, il a cancel. Il va mourir par une boule, là. Oh, il est incroyable, Sapiro. Il est incroyable. Ok, le bus au bot. Talia. Bon, Talia galère un peu. Après, Talia c'est pas facile, je le savais. Nocturne. OMG, regardez ça, la stratégie Fer 4. L'emprisonnement. Ils sont sur tous les fronts, regardez. Tous les fronts. Ok, Brown le flash in. Brown il perd pas de sens. La roquette. Les robots. Dix, là. Ok, Tristana qui suicide. Oh. OMG. Et Nocturne pour l'instant qui prend le farm, hein. Il était là pour ça, je pense. Il a fait genre qu'il gankait, mais en fait il voulait que les waves. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va mourir là, imagine il meurt par la mine là. Je l'ai dit, frère, j'en étais sûr, je le sentais. Je le sentais, frère.
Il a voulu. Je pense qu'il a voulu, mais il s'est fail, tu vois. Mais bon, il a quand même fail, tu vois. C'est bien beau d'essayer de sauver la vie de ton pote, mais si tu arrives pas, bah il est mort ton pote, tu vois. Enfin, il faut réussir. Il s'est fait meurtre. Bait, full bait, GG. Full bait, fais char qu'il est AFK. Mais ça c'est masterclass, hein. Ça c'est masterclass les gars. Ok, 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 Vegar, la cage, elle va dedans, elle va dedans. Elle est morte. Flash out. Très bon flash out. Ok, ok, mais c'est beau, c'est beau. Ça se bat, regardez comme ça se bat, regardez comme ça se bat. Oh. Attends, il y a combien de kills là? Il y a combien de kills? Il y a combien de kills? Il y a trop de moves là. Voir ici. Ouah, Jinx elle a pas joué là. Ok, Tristana. Brand. Ah, le cheat Zilean. Très bien joué, ça, de la part de Zilean. Ok, ok, les gars, il y a énormément de kills, hein, il y a beaucoup d'action. Hein. C'est beau ce qu'on voit là, c'est beau. Ok, combat collé. Dommage. Forcément, c'est Jesse qui gagne. Et Merdinger. Ah, dommage. Lex Drinker. Ah, Malmortus, carrément. Malmortus Mercure. Bien pensé, ça, bien pensé, j'aime. Wouah! Jinx? Elle va quand même pas mourir. Oh non, le stun! Oh, il a mis l'ulti! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape la tourelle! Elle tape la tourelle 20 fois! Voilà, Jinx. Les gars, la Jinx c'est un vrai faire 4. Hein. La Jinx c'est un débutant. Hein. Ça se voit direct. Nocturne, ouais, Nocturne il est 1v9. Nocturne il est vraiment 1v9. Hein. 150 CS, 9-1-5. Regardez, il fait une game de fou le Nocturne. Hein. Game de fou, hein. Oh, il a loupé le Q-spell. Quand je dis ça. Oh, bien joué, Jinx. Il faut qu'on le Zilean. Et Brand, s'il touche un stun, sa mère explose. Hein. J'ai juré. Hein. Jinx. Talia, c'est bloqué. Mais qu'est-ce qu'elle fout, la Talia? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ok. Et meurt. Oh, triplé quoi? Qui c'est qui est tout l'HP là? La Karthus est trop fort en Baello les gars. Karthus est trop fort en faire 4. Ok, lui. Lui. Et lui aussi du coup. Ok, incroyable. Incroyable. Le Karthus il est en mission le Karthus hein. Il a son Ramadan là, il est trop bien hein. Ok, Zilean qui donne l'XP devant les ennemis, Jinx qui ne bouge pas. Et cette Tristana est vraiment très très faite, mais attention hein, le Vegar. Oh. Elle est morte la Tristana, hein. Elle est morte des sbires je crois hein. Ah Nocturne est vraiment big hein. Nocturne est vraiment très très big. Et là au top pour l'instant le Jace qui prend la T2. Et Nocturne va récupérer son R. Parce qu'il a le arc axiomatique là, je sais pas quoi, du coup il a encore son R là. C'est dégris ça. Il va massacrer le Jace, hein. Il va le massacrer. Hein. Jace n'a aucun counterplay sans rush physique. Mais bon. Wouah, il est en mission le Nocturne. 11-2. Enfin, il prend les tours quand même, niveau 16. Elle est folle la Jinx là. Elle s'est one shot là. Ok, très bon bait. C'est du bait. Il est mort. 1v9 la Jinx. 1v9. Flash de Jace, mais malheureusement. Oh, la Talia! Ratio, la Talia là. Après, elle perd avec des autos quoi. Non, elle perd pas. Zilean, vas-y, une auto. Une auto, juste une auto. Voilà. Ok, le Nashor qui est engagé. C'est un raid pour eux, les gars. Dites-vous que le Nashor pour eux, c'est un raid. Hein. Et Merdigger, c'est au moment. Merdigger, c'est au moment. Vole-le. Pas mal en vrai. En vrai je... Mais Brand. Il est trop fort. Il va se prendre la R là non. Il va se prendre la R. Il va se prendre la R je crois. Attends, c'est un temps de reset. Non. 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 Il fallait 2 secondes de base pour pouvoir régénérer un peu. Oh là là. Putain, en vrai c'était masterclass son move hein. Masterclass hein. On en a des masterclass là.
Gars, j'ai cru, hein, mais là, il n'y a pas eu de 1v1 en fait, hein, my bad. Hein. Ils ont été lâches en face. Et je crois que Jinx l'a pas touché, les gars. Jinx n'a pas eu l'assist. Hein. Ok. Au top, le 1v1, Talia Veigar. Elle dodge la cage, du coup, Veigar n'a plus grand chose, et là, elle peut y aller. C'est très bien joué de la part de Talia, il a compris combien il fallait jouer. Ok, bah, Veigar ne fait rien. Ah, il se fait outplay là. Là, il s'est massacré. Là. Bon, il était ambitieux comme flash, mais. Jinx. Ouais, Jinx et Emerginger. En vrai, c'est les deux qui sont MVP pour moi, tu vois. Ok, le trap. Après, c'est Karthus, il a quand même son air en fait. C'est ça le problème. Jinx. Bon, la Jinx faire. Bon, les traps, le zap, y'a rien qui va. Ok, Jace. La boule. Bon, la Jinx, frère, y'a rien qui va. La Jinx, y'a rien qui va. Et Karthus, t'as pas air du coup. Wouah. Veigar Karthus. Terrifiant. Terrifiant le scaling là. Et il faut le build les gars, il est full build quasiment hein. La boule. Gage pas. Ok, Talia qui carry là. Elle s'est attrapée elle. Le Chizilian. La bombe. Dommage, bien tenté. Il est mort là, il prend la boule là. Oh les petits pas, il est trop fort. Incroyable. Allez, on avance encore. Mais du coup, en fait, il se tue, il revive, il s'y retourne en boucle. Du coup, bah, il y a 68 000 gold à 68 000. Hein. C'est incroyable. C'est trop, frère. Il a flash out et tout, genre. Ok, nice. On t'a la qui clique. Dommage, mais attendez. Jinx, tu peux le faire. Lui, là. Lui. Ah, Jinx, vas-y. Vas-y, mon poulet, vas-y. Vas-y, c'est ton kill. C'est à toi. Le heal, vas-y. Bah, le Jace il clique, frère, c'est qui ce Jace? Lui il est bronze, lui il est pas iron. Lui il a un très mauvais MMR, il est bronze. Ça va être volé, vous pensez? C'est pas volé. Ah, il est mal notre champion. Ah, ça c'est gris ça. Là on voit que c'est quand même quelqu'un qui est pas au elo et il donne des shutdowns alors qu'il a un pic létalité, c'est pas bon. Ok, le team nocturne. Wouah! Elle refait, elle veut tout backdoor en fait. Elle veut tout backdoor, mais elle va encore mourir. Il est vraiment un V9. Hein. S'il avait un voice staff, les gars, il y a Malmortus ici, c'est dommage. Allez, c'est la fin, je crois, mesdames et messieurs. Flash de Jace, très offensif, mais malheureusement, il se fait avoir par les Zonia. Et Jace va tomber, il a un GA. Ok, Veigar à son air, j'ai envie de mourir. Il perd personne. Air quelqu'un. Il a air le shield encore. Oh mon dieu, le triple dim d'Achor, c'est fini, les gars. Quelle visite incroyable, mais je crois que c'est la fin, mesdames et messieurs. Il va falloir des push, mais ouais. Round ulti la wave. Les gars, ils peuvent plus, c'est Starcraft. La Soul Extec, c'est terminé. Tristana qui tape les bâtiments.
Jace mérité, les gars, mais alors, et Karthus aussi, hein. Je sais pas comment ils ont perdu ça. Vegar, Jace, Karthus, un net game de fou. Et en fait, ils ont perdu parce que, parce qu'ils ont pas réussi à finir, en fait. Genre, ils ne pêchaient pas, ils faisaient rien, ils ont même pas pris un edit de la game. ADC diff. Bon, ok, ADC diff, mais bon, ils avaient une top diff et une jungle diff en soi, tu vois. Non, jungle Steven. L'autre chose, on a fait une grosse game. Ouais, mais là, c'est compliqué, on va voir un peu les dégâts aux champions. 60 000, ah, 14 000 dix. Et regarde, Tristana a fait 27 000, c'est pas tant que ça quand il pense, tu vois. 29 000 Vegar. Ah, c'est vrai qu'il c'était que deux, là. Là, il y a au moins Talia qui fait 44, tu vois. C'est vrai qu'ils sont toujours pas full build, là, encore 27 minutes de jeu, c'est normal. Il y a encore presque full build, hein, il manque un item. Bon, là, il en manque deux, là, quasiment. En tout cas, très intéressant, cette vie du faire 4. Bon, les gars, mesdames et messieurs, je pense que, selon moi, le MVP, c'est ou Emerdinger ou Jinx. Je mettrai Emerdinger pour les petits moves stylés qu'il a fait. C'est très marrant. Tristana aussi, en vrai, il m'a fait rire. Franchement, Tristana, il m'a fait rire, avec le flash out sous-tour. Mais ouais, il y a eu des moves quand même marrants. Il y a eu des moves quand même marrants, franchement. En vrai, je me suis régalé. Franchement, je sais pas vous, c'était une très bonne visite du faire 4. Je me suis vraiment régalé. J'espère que vous aussi, Twitch, et vous aussi, YouTube, si vous voyez la vidéo, vous allez sûrement la voir d'ailleurs. Parce que franchement, je me suis régalé. Mais pour moi, voilà. Bon, je vois sur Twitch, c'est plutôt Tristana qui est MVP. Et certains Emerging Tristana, ok. Et vous, YouTube, mettez en commentaire, voilà, tout simplement, celui qui vous a le plus fait rire. Voilà. C'était la petite visite du faire 4. Je vous rappelle que ce samedi, d'ailleurs YouTube, si vous voyez la vidéo, vous la verrez sûrement mercredi. Donc ce samedi, les gars, à 18h, 18h30, on a Alderiat sur Twitch en direct, sur ma chaîne Twitch. Il va analyser une faire 4 avec moi, un OTP Malphite, une visite du faire 4 avec Alderiat. Donc n'hésitez pas à passer, voilà. Ça sera vers 18h, 18h30 sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, vous avez l'info YouTube si vous voulez passer, réservez votre créneau, ça va être incroyable, on va se régaler. Voilà, ça sera le live d'ailleurs du samedi. Il n'y aura pas de live le soir, ce sera un live de 18h30 à 21h à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Tout simplement. Voilà. Pouce bleu YouTube, c'était le Slipou, à la prochaine.